famille Bertrand avec leurs quatre enfants, qui s'amusent aux Indiens tous les dimanches matins. Ils s'en vont travailler tous les jours à 7 heures, en faisant bien claquer les bords de l'ascenseur. Il y a Madame Paula qui sent le pipi de chat, toujours en bigoudi, en chemise de nuit. Elle fait ses commissions tous les jours à 8 heures. Et puis, il y a cette porte close, une étiquette rose, un prénom, Marie-Rose. Il y en a de ceux qui disent qu'elle est partie comme ça, abandonnant ses valises et son chat. Demande bien quand il va bosser tellement il est bronzé. Lui fait son jogging tous les jours à 9 heures, avec son petit training et ses caleçons à fleurs. Il y a Monsieur André qu'on appelle Dédé, qui a été prisonnier à la guerre de Corée. Il joue de la trompette tous les jours à 10 heures. Et puis cette porte close, une étiquette rose, un prénom, Marie-Rose. Il y en a de ceux qui disent qu'elle ne reviendra pas, qu'elle habite Venise ou alors Calcutta. Ses julots à l'heure de l'apéro, elle qui ne fait rien, qui fait même pas son âge, qui a un poil dans la main et que c'est bien dommage. Il y a Monsieur Dédé qu'on appelle André, avec ses pétitions tout le temps pour sauver les cafards, les blattes et les homards. Et puis cette porte close, une étiquette rose, un prénom, Marie-Rose. Il y en a de ceux qui disent qu'elle n'existe pas, mais eux, ils ne savent pas que lorsque la nuit vient, j'ouvre la porte close. Dans ma robe fendue, je deviens Marie-Rose.